Jules était fatigué, il a demandé de sortir. Nous sommes obligés de faire un changement parce que Jules était fatigué. Il m'a demandé ça. Et mais malgré ça, après le changement, c'est normal, on continue à rater des occasions. Ça, c'est ça le point négatif d'aujourd'hui pour moi. Parce que l'équipe adverse a marqué avec une bêtise de notre équipe. C'est notre équipe qui fait la bêtise pour que l'équipe marque. Et après ça, on continue à carburer avec Sarpon, avec Gilbert, avec Christophe. Ça marche bien pour le côté offensif, milieu de terrain. On a réglé le contre et mais on rate beaucoup d'occasions. C'est ça qui s'est passé. Nous sommes en train de améliorer, de marquer, de travailler beaucoup, de prioriser le travail spécifique pour la finalisation. Mais le foot, parfois, il y a des choses comme ça. Si tu rates 5, 6 occasions nettes de but, tu ne peux pas gagner, tu as marqué un but et tu rates 5, 6. C'est ça le grand problème du jeu. On peut dire que Mourinho Fabrice a marqué ce sommet aujourd'hui parce qu'il n'était pas dans le groupe. Autre chose, la dernière semaine, tu m'as demandé pourquoi John n'est pas là. J'ai dit toi qu'il y a trois étrangers. Maintenant, je te réponds la même chose. Il faut faire jouer trois joueurs étrangers. Il y a le tour, il y a Sarpon, il y a Safe. Pourquoi tu fais jouer encore trois milieux défensifs? Ça, c'est pas juste. Vous avez compris? Si on marque l'occasion qu'on a raté le premier mi-temps, le match d'aujourd'hui, c'est 3-1, 4-1 pour Rayon. Mais le grand problème d'aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'on a raté beaucoup d'occasions de but no primeiro mito e no segundo mito. Então, e um ataque, a equipe que joga pelo côté ofensivo, e tem um match 3-0. Se tu rate, tu dois profiter. C'est ça que se passe. Il faut bien réfléchir ça. C'est ça la réalité. Le foot, c'est comme ça. Quel est o secret do foot? Se tu marques, tu ganhas pour le match. Se tu não marques, tu não peux pas gagner. C'est ça que se passe. De rien. Merci à vous. Señor Guandazri. Okay.